De Beyblade. Le combat entre Kiyoya est mis en ferrage, alors que Kiyoya échappe aux portes d'Hadès. Léon prend l'avantage et le lion projette Kervex et Damian par la violence du choc. Mais Damian se ressaisit et jure de ne pas perdre car il croit être l'élu. Le ciel s'assombrit pendant que Kervex attaque Léon. Les choses semblent mal tourner pour Kiyoya, mais celui-ci refuse de s'avouer vaincu et lance son attaque frappe du vent inversé du lion. Léon s'envole plus haut que jamais, se retourne et redescend en piqué sur Kervex. La puissance de Léon enfonce Kervex dans le sol et lorsque la fumée se dissipe, Kervex a arrêté de tourner et Léon a gagné. Damian est dévasté par cette défaite et s'effondre de désespoir. Pendant ce temps, le docteur Ziggurat diffuse un message dans le monde entier. Il annonce qu'il vendra son invention au plus offrant. En guise de démonstration, il utilisera la force spirale pour détruire une île. Jinga et Masamune ont atteint le noyau spirale et ils ont bien l'intention de le détruire et de sauver leur ami Toby. Cet endroit. C'est ça le noyau spirale? Toby, tiens bon mon gars, je vais te sortir d'ici, je te le promets. Tiens donc. Avant que la démonstration commence, nous devons régler la situation. Relâchez l'énergie spirale. Toby! Qu'est-ce que tu as? Non, attends, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Toby, calme-toi, Masamune. C'est trop dangereux. Lâche-moi. Toby, regarde, c'est moi, c'est Masamune. Masamune? Je ne te connais pas. Oh. Et puis qui est-ce que vous appelez Toby? Je ne suis pas cette personne, ce Toby. Je m'appelle Faust. Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes, Toby? C'est moi, Masamune. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas de moi? C'est inutile. Oh. Oh. Ziggurat? Le garçon qui se trouve devant vous n'est plus Toby. Je l'ai créé de toutes pièces grâce au système de perfectionnement. C'est le plus fort des Bladeurs. Il s'appelle Faust. Hein? Il crée une énergie d'une nouvelle génération. Il s'agit de l'énergie spirale et c'est pour cela que Faust est le sauveur de la race humaine. Toby n'a rien d'un sauveur. Vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille à mon ami. Maintenant, rendez-lui la mémoire. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette énergie de nouvelle génération. Mais vous avez vraiment l'intention de mettre tant de vies en danger pour que vous puissiez vendre vos recherches au plus offrant? C'est ce que nous, les adultes, nous appelons faire du business. Je ne vous laisserai pas utiliser nos toupies pour vous enrichir. Je vais vous arrêter. M'arrêter? Et comment? Vas-y maintenant, fais-le, Faust. En avant, tempo! Tempo a la capacité de garder sa rotation indéfiniment. Une fois que Tempo commence à tourner, elle ne peut plus s'arrêter. Elle continuera pour toute l'éternité. Et tant que Tempo ne s'arrête pas, l'énergie spirale continuera d'être engendrée pour toujours. N'échouez surtout pas, les enfants. Alors, tous les deux, vous croyez vraiment pouvoir l'arrêter,
La toupie ultime a été développée en utilisant les données réunies pendant le championnat du monde de Beyblade. Elle s'appelle Twisted Tempo. Vous pensez réellement pouvoir la stopper? Ah, oui, on va y arriver! C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici! On battra Tempo! Et Toby va venir avec nous, vous entendez? C'est parti, Masamune! Je suis prêt, Jinga! Quel joli duo d'imbéciles! Hyper vitesse! Fonce-lui dessus, Pegasus! Concentre-toi sur un point précis! Passe en force à travers, Strider! Bravo, c'est ça! Bien joué, Masamune! Oh! Sur lui. Attaquer séparément ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on y va ensemble, Jinga. Allez, on y va. Ouais. Ah, encore une fois. En avant. Vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas gagner contre Tempo. C'est pas bon! Il refuse de bouger! Cette toupie est vraiment très solide! Évidemment qu'elle est solide, la stabilité de Tempo est sa principale caractéristique! Oh. La roue crantée de Tempo est la roue de fusion la plus lourde jamais créée. Protégée par sa lourde roue crantée, Tempo est la plus forte toupie de défense de toute l'histoire des toupies! Peu importe l'intensité de sa puissance défensive, si Pegasus et Striker combinent leurs pouvoirs, Tempo est fichu! C'est vrai! N'abandonne surtout pas, Striker! Attaque encore plus fort! Avec la puissante force centrifuge produite par la roue crantée, Tempo a une rotation si souple et stable qu'il est supérieur à toutes les toupies du monde, et je devrais même dire de l'univers. Même si vous alliez vos forces pour attaquer, vous ne pourrez pas l'arrêter. Pas question! On va vous faire tomber, Ziggurat! Continue comme ça, Pegasus! Vas-y, maintenant, Tempo! Incroyable, cette toupie est impressionnante. Vous voyez bien, la rotation de Twisted Tempo continuera encore et encore. Peut-être que la prochaine fois que je vous dirai quelque chose, vous m'écouterez enfin. Taux de production d'énergie spirale en augmentation rapide. Charge énergétique au niveau 6, 7, 8. Excellent. Vous êtes sur le point de devenir les témoins de la férocité de Tempo. Oh. Selon la théorie de la relativité élaborée par le grand physicien Albert Einstein, un objet possédant une masse peut courber la lumière et l'espace. Et dans cette même zone, le flux temporel serait arrêté. Je me suis basé sur cette théorie pour fabriquer la meilleure toupie de tous les temps. Une toupie qui changera le monde, tel que nous le connaissons pour l'éternité! Dans quelle langue il parle exactement? Je crois qu'il est en train de faire une attaque! Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que grâce à la forte gravité créée par la roue crantée de Tempo, cette toupie peut totalement contrôler l'espace et le temps. Vous pigez maintenant! Oh. Tempo, coup spécial! Dimension spirale! Oh. Oh. Quoi encore? Oh. Mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Pegasus! Ray Striker! Est-ce que ce tourbillon géant est un trou noir? C'est exact! Oh. Vous voyez le trou noir que Tempo a créé? Toby! Le trou noir de Tempo contrôle à la fois le temps et l'espace. Il n'existe aucune attaque capable d'empêcher cela! N'importe quoi! On ne croit pas à ce genre d'histoire! Tiens bon, Striker! C'est inutile! Tempo est une toupie qui domine à la fois le temps et l'espace!
Le passé, le présent et votre futur sont tous les trois entre mes mains. Je contrôle toutes choses et tout le monde. Pegasus, Striker! Je travaille pour l'accomplissement de l'avenir radieux et parfait de la société Hadès. Tous ceux qui s'y opposent disparaîtront dans les ténèbres. Arrête ça tout de suite, Toby! Pegasus, Striker! Je travaille pour l'accomplissement de l'avenir radieux et parfait de la société Hadès. Tous ceux qui s'y opposent disparaîtront dans les ténèbres. Arrête ça tout de suite, Toby. Merveilleux. Le pouvoir de Tempo est encore plus grand que je ne l'avais prévu. Taux d'énergie spirale fourni en augmentation constante. Charge énergétique au niveau 10, 11, 12. Capacité maximale atteinte. Continuer la charge serait dangereux. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Énergie spirale prête au lancement. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Hey! Ouvrez-moi! Toby! Toby! Faites vite! La cité d'Hadès se dirige vers l'océan. Elle cherche à rejoindre le large pour attaquer une île. Vers l'océan? J'espère que Kyoya et les autres vont bien. Les décharges électriques sont de plus en plus intenses. Jinga! Kyoya, mon pote! Je vais mettre la gomme! Accrochez-vous! Oh! N'abandonne pas! Tu peux le faire, Pegasus! Ça suffit! Pourquoi tu bavasses sur l'avenir radieux d'Hadès? Tu es seulement utilisé par Ziggurat pour dominer le monde! Je t'en prie, Toby, écoute-moi! Ouvre les yeux! Localisée. Cible accrochée. Préparatif pour décharge d'énergie spirale terminée. Début du compte à rebours. Je vous dis adieu. Vous allez maintenant disparaître dans les ténèbres éternelles. Pegasus, non! Restriker! Vous pouvez jouer les durs, mais au final, vous n'êtes que des enfants. Vous n'êtes pas à la hauteur face à moi. Désormais, vous êtes condamnés à regarder depuis les ténèbres dont vous ne sortirez jamais, pendant que je gagnerai fortune et gloire grâce à mon talent génial de scientifique. Einstein n'était qu'un professeur remplaçant de maternelle comparé à moi. Décharge d'énergie spirale, 20 secondes, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Alors, docteur Ziggurat, c'est ça le résultat de tes soi-disant recherches scientifiques? Pathétique. Tu viens d'une longue lignée d'humains totalement perdus. Des gens qui deviennent vite obsédés par le pouvoir des toupies, des gens qui laissent le mal les dépasser et se perdent dans leur avidité. Mais je compte bien régler cette affaire tout de suite. Mets-les en pièces en même temps que notre horrible passé! Hypervitesse! Oh!
Qu'est-ce qui se passe? C'est une urgence, docteur. L'ouverture des missions de l'énergie spirale a été endommagée. Le haut niveau d'énergie est en train de remonter vers la surface de la cité d'Hadès en la détruisant de l'intérieur. Ce n'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe là-dessous? Oh! C'est passé. Oh. Génial. Regarde, il y a une ouverture dans le trou noir. Super, il nous suffit de viser ce point. Vas-y, Pegasus. En avant, Striker. C'est parti, Pegasus. Sors-nous de ce trou noir! Va comme le vent, Striker! Ah! Oh non! Ah! Non! Ah! 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 Oh. Oh. Pegasus! Striker! Bravo! On est revenu sain et sauf! Ha! 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 Tommy! Est-ce que ça va? Oh, Tempo! Réponds! Continue de tourner, Tempo! Tourne encore plus vite! Encore plus vite! Encore, 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 Tempo! Vas-y, Tempo! Ça suffit, Tommy! Tu peux tout arrêter maintenant! Masamune, il faut qu'on attaque Tempo pendant qu'on peut! Ouais, t'as raison! Striker! Cette fois, je vais l'arrêter! C'est le bon moment! En avant, Pegasus! Charge directement sur lui! Accélère, Tempo! Accélère encore! Pegasus! Striker! C'est parti! Coup spécial! Attaque déluge d'étoiles filantes! Coup spécial! Attaque du sabre éclair! Agis maintenant, Tempo! Dimension spirale! Ne me fais pas peur une seule seconde! Je gagnerai et je sauverai Tommy, je te le jure! Tiens bon, Pegasus! Ah 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 non, t'es... Bah ça alors, on a réussi à l'arrêter. Oui, on a vraiment gagné. Ah non, Tommy! Tommy! Est-ce que ça va, Masamune? Tommy, réponds-moi. Tommy, tu vas bien? Jinga, Masamune! Oh. Jingi! Hé, hey, les amis. Est-ce que vous allez bien? Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Quel chantier! Dommage, on dirait qu'ils ont géré les choses tout seuls. Oui, on dirait, en effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ma merveilleuse invention, mes merveilleux plans! Ils ont été détruits par des enfants. Tommy, tiens bon, mon ami. Salut, tu me reconnais? C'est moi, Masamune. Masamune? Et qui c'est ça? Oh. Je m'appelle Faust. Je ne sais pas qui tu es, petit. Oh, Tommy, tu es toujours amnésique. Mon tempo! Où est passé mon tempo?
Oh, il n'est toujours pas libéré de l'emprise de cet horrible perfectionnement. Ah, je veux mon tempo. Je dois absolument faire tourner mon tempo à nouveau. Toby. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Le système d'équilibrage a été détruit. Nous avons perdu le contrôle de la cité d'Hadès. L'énergie spirale est dans la zone rouge et elle continue d'augmenter. À ce rythme, le réacteur d'énergie ne tiendra jamais. C'est impossible. Si nous ne déchargeons pas l'énergie spirale très rapidement, le réacteur d'énergie fera exploser la cité d'Hadès dans moins de 20 minutes. Oh. La ville va exploser. Les moteurs numéro 2 et 3 ont lâché. Puissance en baisse. Impossible de garder une altitude suffisante. Regardez, la cité d'Hadès. Oh. Elle va plonger. C'est vraiment pas bon. Vous me dites que la cité d'Hadès va s'écraser au milieu de l'océan? Toby!